Clap. Bonjour et bienvenue dans le château de Sap Challenge, vous l'avez vu dans le titre. Je suis accompagné d'Étienne, d'Yvan et de Chris. Chaque équipe va devoir faire un château de sable le plus stylé et surtout le plus résistant. Pourquoi? Parce que derrière moi, il y a la marée qui est en train de monter et qui va recouvrir l'endroit où on va faire nos châteaux. Et donc nous allons pouvoir déterminer quel est le château qui résiste le mieux à la montée des eaux. Comment va-t-on déterminer quel est le château qui résiste le mieux? Très simple. En vrai, je sais pas ce que c'est, mais on a acheté ça. C'est une bouée qui se gonfle au contact de l'eau. Mais elle se gonfle de manière c'est la merde, on est en train de se noyer. Donc c'est un peu violent, d'accord? Donc on met une bouée par château, donc par équipe, et on pourra très facilement déterminer qui va l'emporter. C'est donc parti pour le Château de Sable Challenge, tout simplement. Bienvenue dans l'équipe gagnante. Voilà. Franchement, vous avez plus besoin de regarder la suite de la vidéo, on va gagner. En vrai, je suis super chaud. C'est vrai? J'ai du sang breton, créole, on a tout pour gagner. Ok, ok, très bien. J'entends depuis tout à l'heure, ils sont en train de se la péter de ouf. Ah ouais? Et ce qu'ils savent pas, c'est que moi, je suis spécialiste de sable. Tu rigoles, mais moi, j'ai travaillé dans le BTP. C'est vrai? Non, mais après, c'était dans la climatisation et le chauffage. C'est quand même dans le BTP, je veux dire, je suis déjà allé sur des chantiers, quoi. Alors, faut que je vous dise un truc. Déjà, j'ai pas fait de château de sable depuis minimum 10 ans, vraiment. Je pense que la dernière fois que je suis allé à la plage en tant qu'enfant pour faire des châteaux de sable, c'était quand j'avais 9 ans. J'en ai 25, hein. Maxime ne le sait pas, je sais qu'il adore gagner, je sais qu'il est mauvais joueur. Je suis la plus grosse merde avec qui il aurait pu être. T'habites à Lorient? Ça t'habite près de la mer? Arrête! Ne parle pas de ça, pas tout de suite. Messieurs, dames, voici la bouée qui, quand l'eau s'infiltre à l'intérieur, elle se gonfle de manière brutale. On le met ici, et tout simplement, eh ben, on va construire une muraille tout autour. Oui, c'est nul. Ok, on fait un donjon ici, là on fait des tours de guet tout autour, environ 18. Et tout autour, on peut faire un système de douves. Non mais je savais qu'il fallait pas que je me mette avec lui. C'est parti! Attends, mais tu veux faire comment? Je sais pas. On va se baigner? Ok. Tout ce qu'on veut mettre en muraille, il faut qu'on le creuse devant. Alors ça, faut faire attention avec ça. Pourquoi? Parce que après, si l'eau elle arrive, ça peut creuser, ouais. Tu vois. Sauf que du coup, c'est un magasin de noix avant de venir taper sur le... Non mais c'est vrai. Non mais la technique de casser la vague, tu vois. Oui, voilà. Ça c'est important. Mais oui, c'est pour ça. On fasse des murs autour déjà. On fait un énorme cratère comme ça et tout le remblai on le met devant. Donc tu veux qu'on creuse d'abord? Ouais, genre là on fait un fossé. Autour? Ouais. Ou juste devant là? Déjà devant parce que t'as vu? Là dans 30 minutes c'est la mort quoi. Oh mec, c'est la meilleure peine, j'avais pas ça à 8 ans hein. Bah moi c'est pas forcément ce que j'ai quoi. Toi t'avais ça à 8 ans. Je vous rappelle que nous sommes actuellement sur la commune de La Turballe qui nous a accueillis très gentiment. Et voilà, ils ont été très gentils. On est sur la petite ville de La Turballe. Si jamais vous savez pas où aller en vacances, la mairie a été tellement gentille. Max? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gars, elles sont bien vos pelles à vous? Elles sont top, vraiment, elles sont géniales quoi. Je suis content pour vous les gars. Heureusement, il y a une drosion. Ça repart. Est-ce que la déco ça compte un peu quand même? Pas du tout. Ah ouais. Je pense qu'on est bon là, faut commencer le château. Mais t'es un malade. De quoi? Mais là, c'est même pas un tiers. La déco, ça sera quand de la mer, elle sera genre là. Ouais, mais j'ai bien compris qu'on allait pas décorer maintenant. Hein, pour l'instant, c'est du travail. Moi, j'avais fait ça pour pas faire maçon justement. Alors, on m'a pris pour un con. Quand la dernière fois que t'as fait un château? Un vrai château, enfin genre un truc comme ça un peu? Ouais. Je sais pas, genre il y a 10 ans. Tout de suite une photo de moi à la plage en train de faire un château de sable. Ouais, ta pote, ouais. Ouais, je tapote, ouais. T'appelles ça tapoter, là? Incroyable comment la mer l'a accéléré, mec. Ah mais attends, déjà? C'est chaud de ouf, en vrai. Ou alors, j'avais une autre idée. C'est qu'on oublie totalement ce système de douves, tu vois. Ouais. Et moi, je me mets comme ça. Putain, mais non! Parce que là, je bloque vraiment, je casse la vague, quoi. C'est... Ah! T'es casse-couille, il a tout niqué, allez, sors de là! C'est très bien, ça sent bien. C'est bien. Comment ça va, toi, Chris? Moi, franchement, ça J'ai l'impression qu'on est complètement en phase. Mais là, je casse la vague, là. Tu casses pas la vague, tu casses tes couilles. Allez, sors. Mais mec, regarde! Mais il vient de sauter sur là! C'est assez au moins! Mais j'ai le pire coéquipier! Putain, mais regarde l'eau! Regarde l'eau derrière toi, mec! Quoi? Vas-y, trace! Franchement, je serais toi, commence à décorer, mec! Ok, t'inquiète même pas! Ça va être super long de faire des tours, là! Enfin, ils se rendent pas compte, lui, il est fou! Tu fais le village au milieu, toi? C'est la mairie, ça! La mairie de La Turballe? Oh, bien joué, ça! T'es prêt? La mairie. Quand tu me disais mairie, dans ma tête, j'imaginais totalement ça en fait. Attends, regarde. C'est là où tu vas reconnaître la mairie. C'est qu'en fait, il y a ça dessus. Oh là, ça attaque! T'inquiète. Oh, Maxime, derrière toi! Je sais! Moi, je pense que ça fera le tour avant de péter là. Ça va creuser, hein. Dès que l'eau elle va être à un minimum haute, ça va creuser de ouf. Hein. Impossible, c'est trop tassé. Ça va, on n'est pas des bâtisseurs de l'extrême non plus, quoi. Ah! Pour le royaume! Comment on l'appelle notre château? Le château. On peut l'appeler le château de Chris. Ah bah ouais, mais moi j'étais là, j'ai fait tout ce qui est les fondations. Le château de Chris et un peu d'un mixem. Ouais, donc en fait, celui qui met les murailles et les tours, c'est celui qu'on retient à la fin quoi. Moi j'étais le maçon, personne se rappelle quoi.
Et là, on est protégé par Poséidon. Ça va, tranquille. Je vais chercher des moules. C'est-à-dire? Bah, tu parles de trois moules, les juifs, vous en voulez ou pas? La strat, tu prends une algue. Tu l'étreins un peu parce que bon, il y a de l'eau, c'est chiant. Et là, je vais la mettre tout autour, un peu comme un burger. C'est un magnifique burger, en fait. C'est un double cheese, notre château. Je perds confiance en la muraille. Hein. Je suis pas à l'aise. Oh putain. Quoi? Qui a fait ça? C'est totalement Yvan. À tout moment il peut pleuvoir chez eux, t'as juste à me dire Chris il pleut là-bas non? Et c'est bon il pleut. Chris, oui. Il pleut là-bas non? Quoi? Là ça devient intéressant. J'en étais tellement sûr en plus. Gros il a plu mais pas beaucoup là-bas. Là y a plus de vannes là, y a que de la compète. Je vais me battre jusqu'à la fin. Là je lutte contre les éléments mais pour combien de temps encore? Mec c'est incroyable là. Là je joue ma vie là. Je défendrai cette bouée jusqu'à la mort. Oh non, pardon, j'ai cassé la tour sud, celle où il y avait le dépôt de munitions. Ça suffit de casser le château. C'est à cause de toi qu'il va tomber là. Regarde, s'il y a une petite goutte qui va là-bas. Non, parce qu'il y a une pelle. Ah bah oui, je vais mettre. Non. Oh, mais t'es malade. C'est pas moi. Hein. T'es un malade. C'est pas moi. Hein. C'est ça, ouais. Elle a pris de l'élan la vague. Non, 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 j'ai tout vu. C'est tout mouillé à l'intérieur. Il y a des tensions dans notre équipe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ah, ah, ah non. Elle a pas gonflé, elle a pas gonflé. Ça commence à passer chez eux. Mec, mais ça va s'écrouler chez nous. On remonte, on remonte. Non. Pas comme ça, pas comme ça. T'arrête pas. Oh, ça pue. J'arrête pas. C'est mort. Ah. Au-dessus, au-dessus. J'ai fait de la merde. Non, mec, il y a de l'eau qui est rentrée. Ah mec, je crois que là... Mettons-nous, tiens. J'en peux plus, Yvan. C'est toujours pas gonflé de l'autre côté. Il commence à prendre cher. Il y a de l'eau qui est rentrée. Oh là là, oh là là. Là-haut, là-haut, c'est là-haut. Oh là là. Mais regarde, regarde. Oui! Oui! Quelle course incroyable! Et du coup, c'est du solide ou? Ah, mais putain! Vous voyez le visage du seum là? T'as rien! Allez, régale-toi, mon petit! Je l'ai remporté! Ah, mais en fait, c'est cheaté, il marche pas votre truc! Ah merde, il marche! On a perdu à si peu de minutes! Ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf! Voilà le décalage de temps entre les deux équipes, c'était vraiment à rien du tout quoi! Bien joué les gars. Mais quel concept génial, j'ai tellement envie de rejouer en fait. On peut faire une deuxième partie. C'est génial. Non mais il peut avoir un épisode 2 mais avec cette fois-ci des tractopelles. Oui. Mais clairement par contre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé en entier. Si ça vous a plu, les petits concepts comme ça, assez summer. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui a été dessiné préalablement dans le sable par la prod. Là, ah, sur mon seau. Ah, ah bah, il est sur ton seau en fait, ouais, effectivement. Activez la cloche, toutes les notifications, bref, le pack familial. Merci les gars d'avoir participé à cette vidéo. Avec grand plaisir. A bientôt, Buscavida.